Ça suffit, ça suffit. Mon Dieu, pourquoi ça? Calme-toi, hey. Calme-toi. Pourquoi, Seigneur? Papa, pourquoi? Pourquoi, oh, papa, pourquoi tu m'as laissé seule? Pourquoi ça, papa, pourquoi? Calme-toi, c'est déjà passé. Ok, tu ne peux pas continuer comme ça. Il est déjà parti, il est parti pour de bon. C'est le temps d'oublier et oublie tout même. Tu regardes-moi, hein? Je suis inconsolable. Hein? Tu regardes comment est-ce qu'il a décidé de prendre la seule personne que j'ai. Regarde comment est-ce qu'il a pris la seule personne que j'ai, Chica. Où irais-je, dis-moi, où irais-je, Chica? Comme ça, s'il te plaît. Où irais-je? S'il te plaît, arrête de dire ça, hein? Tu sais que je suis là pour toi, tu le sais bien, arrête ça. S'il te plaît, arrête. Je t'en supplie, arrête. Arrête, c'est ce que tu dis. Dis-moi comment je peux arrêter. Ok. Mon père est enterré. Tout le monde est parti, oui. La vie devient de plus en plus dure. Hein? Tu peux imaginer cette maison, Chica, dis-moi toute seule, comment je peux les gérer? Dis-moi cette maison toute seule. Pourquoi ça? Pourquoi? Hey! Oh, ok, papa, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose, Hamza. Tu es ma sœur. Une sœur que je n'ai jamais eue. Tu sais combien je t'aime et combien je me soucie pour toi. Et cela n'a pas changé. Alors arrête de m'affecter. Arrête, je t'en supplie. S'il te plaît. Je ne sais pas comment. Arrête de pleurer. Arrête, je suis là avec toi. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Toute chose ira bien. Mon cher. Mon cher à moi. Prends. Bienvenue, mon cher. Désolé de vous retarder. Non, ça va. C'est bon. C'est ok. Bon. Alors. Non, so, j'ai. J'ai vraiment besoin de ton aide. Oui, je... J'ai besoin de ton aide. Je sais que ce n'est pas le bon moment. Parlant du fait que tu viens d'acheter ta voiture. Mais... Je sens que j'ai la corde au cou. L'argent me fait défaut. S'il te plaît, aide ton frère. Bien, vraiment, tu n'as pas la chance, mon cher. La vérité est que, au moment que nous parlons... Vraiment, je n'ai pas de l'argent. Mais c'est à peu près combien? 300 000 naira. 300 000. Non, ça, je te promets. Je te promets. Je vais te remettre l'argent lorsque je serai stable. Ça, vraiment, ça ne pose pas de problème. Mon cher, comme je viens de le dire,
Tu n'as pas vraiment la chance. Sincèrement, je n'ai pas de l'argent. Ça, je t'ai dit la vérité. Mais, alors je peux faire de mon mieux pour te trouver 3000 Naira. Je peux. Non, ça? Je vais te les donner. Tu veux me donner l'argent? Oui, oui. Hey! Oh mon Dieu, pourquoi mon cher? Est-ce qu'il faut dire tout ce que tu dis? Tu ne sais même pas de quoi est-ce que tu viens de me sauver. Non. L'argent m'est fait de faux. T'inquiète. Merci, merci. Je sais qu'il y a quelque chose que tu peux bien me rendre. Je te remercie. Alors, ça suffit. Que Dieu te bénisse. Je le fais à toi. Tu me les feras aussi. Je suis ravi, je suis ravi, mon frère. Tu es mon frère. C'est pour ça que nous sommes les amis. Merci. Ok, merci. Ok, merci. Finis ton verre. Je n'apprécie pas la façon dont je me sens. Qu'est-ce qui ne va pas réellement avec moi? Ah! Est-ce qu'elle va bien? Mon papa! Hey! Mon papa! Mon papa! Gamso! Mais où est-elle? Elle est où cette fille? Elle est où mon Dieu? Elle est où? Gamso! 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 Pourquoi tu m'as abandonné, papa? Pourquoi Gamso! Tu fais ça, papa? Pourquoi tu l'as fait? Je vais me donner l'amour! Je vais me Gamso, donner l'amour, papa! Je vais te donner l'amour aujourd'hui! Gamso, pardon! Pardon, Gamso! Donne-moi ça! Gamso, hein? Je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus rien à faire, moi. Je n'ai plus rien à faire. Non, ne dis pas ça. J'ai ton supplie, ne dis pas ça. Parce que si tu meurs, je vais aussi mourir. Oui. S'il te plaît, ne te donne pas la mort, ok? Je suis là pour toi. Et je serai toujours là pour toi. Ne pleure plus. Je t'ai apporté la nourriture, ok? Je l'ai préparée moi-même. Je crois que tu vas vraiment aimer ça, car c'est délicieux, hein? Arrête de pleurer, ok, ma soeur? Arrête de pleurer, tout ira bien. C'est bon. Viens, je vais te donner une place. Viens. C'est bon. Ma soeur, calme-toi, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Chica! Cette fille a quitté cette maison depuis le matin. Elle n'est pas encore retournée. Et elle n'a même pas dit à quelqu'un où est-ce qu'elle partait. Hein? Cela voudrait dire qu'elle n'avait rien à faire ici à la maison.
C'est pas un problème. Elle est partie, elle va rentrer. D'ailleurs, je n'irai nulle part. Elle va retourner aujourd'hui. Et moi et elle, on va en finir. Reviens ici. Maman, bonsoir. Qu'est-ce que tu viens de dire? Maman, je disais bonsoir. Les bonsoirs là vont te tuer la même. Tu as quitté la maison depuis le matin et tu reviens à cette heure pour me dire bonsoir. Je remercie Dieu parce que tu reconnais que c'est le soir. Oh, désolée. Maman, tu connais Kamso, mon ami. Oui, maman. Tu sais qu'elle est toujours en dé et j'étais partie lui tenir compagnie. La compagnie là aussi va te tuer. Ah. La compagnie là va te tuer. Cette fille là est une sorcière. Et personne ne veut être en relation avec elle. Hein? Maman. Chica. Maman, essaye d'être gentille même pour une seule fois. Comment tu peux dire ça, maman? Réfléchissez un peu avant de parler. Cette fille vient juste de perdre son père. Y a-t-il 3 jours passés, maman? Mais comment vous pouvez... Et après? Et après? Si elle est une orpheline, n'est-ce pas que je suis aussi une orpheline? Hein? Mon père est mort. Ma mère aussi est morte. Hein? C'est une fille avec qui personne ne veut être en relation. D'une manière ou d'une autre. Dans toute la communauté, pour ce qu'elle est, elle a tué sa mère pendant la naissance et son papa. Hein? Ça, c'est la personne avec qui tu as accepté d'être en relation, Chica. Tu as aussi envie de devenir sorcière? Hein? Reviens ici! Reviens ici, fille stupide! Tu fais une relation avec quelqu'un que les gens n'aiment pas approcher. C'est une sorcière. Elle a tué sa maman et puis son papa. Eh, tu vas pas me tuer, oh. Regarde-moi bien. D'ailleurs, Chica, Chica, viens ici. Chica, je t'appelle, tu refuses de venir. Ta copine là, elle va pas me tuer. C'est moi qui vais la tuer si elle ose. Ah, c'est quoi ça? Regarde-moi un peu, cette fille. Chica! Chica! Ewo! Chica! Chica Binaka! Chica! Hey! Hmm.
Cela veut dire que cette fille n'est pas à la maison. Sûrement qu'elle est partie chez cette fille-là maudite. Qu'elle revienne ici. Je suis là pour l'attendre. Jésus, Kamso, qu'est-ce qui n'est pas avec toi? Pourquoi tu es en train de faire ça? Qu'est-ce qui... Hey, mais t'as une forte fièvre comme ça. Mais pourquoi tu m'as pas appelé depuis longtemps là? Pourquoi tu ne m'as rien dit? C'est bon, lève-toi, doucement. Tout doucement, doucement, oui, vas-y, tout doucement, oui, doucement, ok. Lève-toi, attends, je vais t'aider, lève-toi, on va trouver une solution. Attends, je vais te couvrir, attends, je prends pour toi les babouches, prends, porte les babouches. Allons-y, lentement, doucement. Très doucement. Doucement. Ok. Doucement. Attends. Ok. C'est bon. Prends. Attends. Allons-y. Attends d'abord. Je vais déposer ça à la maison. Attends. Juste une minute. Attends-moi là. J'arrive. Oui, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Alors, ne t'inquiète pas. On va trouver une solution. Ne t'inquiète pas surtout, ça va aller. Allons-y, lentement. Alors, assieds-toi. Ogazuka, viens, s'il te plaît, viens. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Mais c'est pourquoi nous sommes ici, hein? Oh. Ok, ça va. Ne t'inquiète pas surtout, tout ira bien. Ogazuka, s'il te plaît, viens. Son cœur fonctionne bien. Et son corps est chaud et je crois qu'elle peut avoir la malaria si je ne me trompe pas. Ok, alors qu'allons-nous faire? Premièrement, elle doit faire d'abord le test. Ok, alors qu'est-ce que nous attendons? Allez-y. Ok, ça va. Laisse-moi ranger le matériel. Alors, ne t'inquiète pas, hein? On va t'examiner pour voir qu'est-ce qui ne va pas, hein? Viens avec elle ici, viens avec elle ici. Ok, alors attends, viens, lentement. Lentement. Alors, doucement, très doucement. Alors, dis-moi, comment vont tes concubines? Parce que je crois déjà que toi, tu peux avoir 10 ou 12 comme ça, si je ne m'abuse pas. Mon frère, ça c'est toi. Moi, ça ne me concerne pas. Ah. Mais oui, je dois te dire la vérité. Parce que moi, non sans ton ami, je ne m'intéresse plus à toutes ces putes de la ville que tu vois. J'en ai assez. Elles ne sont pas pour moi. Voilà pourquoi je les appelle prostituées de la ville. Oui. Là maintenant, tu es sérieux. Dis-moi un peu quelque chose. Je crois qu'il y a quelque chose que j'ai raté. Oh bien. De quoi es-tu en train de parler? Clairement, tu n'as pas encore découvert quelque chose. Parce que la vraie sauce, c'est vraiment au village. C'est là où tu peux les avoir. Toutes fraîches et plus belles. Non. Attends. Je pense que c'est toi qui as manqué quelque chose ici. Écoute, je suis en train de te demander à propos de ta fille. Je parle de tes filles, mon gars. Et maintenant, là, tu ramènes le village dans cette histoire. Je ne comprends même pas. Qu'est-ce que tu dis? Laisse-moi t'expliquer quelque chose, mon frère. Ok. Écoute-moi. Je voudrais me stabiliser. D'accord. Nosso veut se stabiliser. Ça, c'est bien. Oui. Et je veux rentrer à la base pour le faire. Tu sais, c'est ce village que tu vois les trouver vraiment très belle. Un peu attrayante, tu vois. Et juste la toucher un tout petit peu, elle devient exactement celle que tu veux. Et crois-moi. Faire toute chose au moment voulu. C'est de ça que nous parlons. Crois-moi, mon cher. En tout cas, tu hallucines, je te jure.
Oui, écoute, je veux dire, ces filles du village ne sont pas exactement ce que tu penses qu'elles sont. Crois-moi, j'ai eu une très grosse expérience avec ce genre de filles. Et je crois que c'est un chemin par lequel tu ne m'auras pas du tout passé à travers. Steve, laisse tomber ton idée. Écoute, c'est l'une d'expériences que tu as eues. C'est une simple coïncidence. Je te dis que si tu te croises avec elle, tout en état fraîche, sans être touché, venant du village, oh mon Dieu, vraiment tu seras un meilleur guide pour eux. C'est de ça que nous parlons. Ok. Et tu vas bien t'amuser. Tu sais déjà comment on le fait. Ne dis pas que je t'ai jamais averti. Ok. Ne dis pas que je t'ai jamais averti. Oh mon cher. Oh mon cher. Attends, tu verras. Oh mon cher, ouvre un peu la bouteille comme ça, on va prendre un peu de vin. Et c'est à moi que tu laisses toutes les filles du village. Ok. Je peux voir que tu vas bien maintenant. Je vais bien maintenant comme tu le vois. Merci beaucoup, chica. Merci beaucoup pour tout. Je dirais, qu'est-ce que j'allais faire vraiment sans toi? Tu comptes beaucoup pour moi. En tout cas, je dirais, tu es tout pour moi. Comme ça. Pourquoi sommes-nous des amis, hein? C'est bon. Je dois vraiment te remercier. Je dois te remercier. Tu es vraiment ma sœur. Mais quoi? Je perds. Perds de quoi? Je perds de t'avoir utilisé. Je perds de tout. Je perds de la vie. Je ne vais pas me réveiller un bon jour et entendre que tout le monde est parti. Tu es la seule qui me reste ici, dans ce village. Plusieurs personnes pensent que je suis sorcière. Chica, regarde-moi. Suis-je sorcière? Non, c'est bon. Écoute ma parole. Tu n'es pas sorcière. C'est bon? Et tu ne me perdras jamais. Les gens changent. Je sais. Mais tu as ma parole. Je répète que tu ne me perdras jamais. Je serai toujours là pour toi. Ok? Hein? Peux-tu prouver cela? Je ne peux croire à cela. Comment veux-tu que je le prouve? Je ne sais pas. Comme tu le veux. Ok, faisons le pacte de sang. Le pacte de sang? Oui. Maintenant, comme ça, à dater d'aujourd'hui, nous prouvons notre amour. Par le pacte de sang, nous ne sommes pas seulement des amis, mais des sœurs. Je te promets de placer devant de tout ce que je vais faire. Et aussi te protéger pour toute ma vie. Personne ne peut venir avant toi dans mon cœur. Et cela jusqu'à la fin du monde. Ainsi, je jure. Chica, à dater d'aujourd'hui, reçois la preuve de mon amour. Au travers ces sangs. Non pas comme des amis, mais comme des sœurs. Je te promets de te placer devant tout ce que je peux faire et te protéger dans toute ma vie. Rien ne peut venir avant notre amour. Je te le promets. Oui, je jure et je jure. Hey. Heh heh.
Chika. Maman. Où amènes-tu ces habits? Ah, maman, ce sont mes propres habits et je vais les donner à une personne. Tu veux les donner à qui? Mon ami, bien sûr. Laquelle de tes amis? Parce que je sais que tu n'as qu'une seule amie. Cette sorcière? Ah, maman. Que tu refuses de t'éloigner? Maman, arrête, non. Je n'apprécie pas la façon dont vous parlez. Hein? Écoutez, elle n'est pas seulement mon amie. Elle est maintenant ma sœur. Une sœur que tu ne m'as jamais donnée. Qu'est-ce que tu dis? Tu parles de qui? Comment peut-elle devenir ta sœur? Comment ça? Attends que je te dise. Tu vas amener ces habits nulle part. Tu n'iras avec nulle part, je te dis. Je veux que tu puisses les brûler. Brûler quoi? Ces habits. Je ne comprends pas, maman. Brûler quoi? Ces habits? Oui. Ces habits? Bam. Ah, maman, je ne comprends pas. Quel est votre problème? J'ai dit que je vais lui donner. Car ce sont mes habits. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Va brûler cet habit parce que c'est moi qui avais acheté. C'est moi qui ai amené ça ici. Oui, vous les aviez achetés pour moi, maman. Allez, donne-moi ça. Donne-moi. Non, maman. Maman, je ne donne pas. Non, maman. Je refuse, maman. Non. Maman. Je vous respecte, maman. Respectez-vous aussi. Respectez-vous, maman. Maman, mais pourquoi? Maman, donnez-moi mes habits, donnez-moi mes habits, donnez-moi, donnez-moi, maman. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux. Hé, hey, mon amoureuse de sœur, tu es là. Comment vas-tu? Je vais bien comme tu peux le voir. Je suis en train de faire la lessive. Je vois. Bon travail. Merci. Je t'ai apporté quelque chose. Ah, ah. C'est quoi ça? Ah, on d'abord les chasser, non? Ah, tu m'as porté les habits. Ah, Chika, tu m'as porté les habits. Oh, Chika, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Dieu va te bénir. Oh, merci beaucoup. Je t'en prie. Ah, je t'en prie. Tu es ma sœur, t'inquiète. Si je ne fais pas ça pour toi, dis-moi qui le fera pour toi. Merci beaucoup. Je t'ai apporté l'argent. Allez, c'est ça. Prends, c'est ça. Tu es sérieuse? Oui. Ma chérie, où est-ce que tu as trouvé cet argent? Elle est en train de demander. C'est pour toi. Mais qu'est-ce que je peux faire avec toi, vraiment? Merci beaucoup. Merci, mon Dieu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Avec tes remerciements, ça suffit. Essaye d'abord si ça va te convenir. Essaye. Oui, je vais essayer. Je vais essayer. Regarde cette couleur. Dieu, qu'est-ce que je peux te donner vraiment? J'aime vraiment. Merci. J'aime ça. Ah, ah, merci d'abord, tu vas essayer merci ça. Beaucoup, oui, je t'en prie. Oui, d'accord. Merci. Hé, hey, salut, salut, jeune fille, moi c'est Onso, salut, salut, attends un peu. Un instant, désolé, c'est à toi que je veux parler, je sais seulement de te saluer, c'est Onso, je suis de ce village, je voudrais... te connaître.
Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Chica, chica, chica. Tu ne sais pas quand faire le faire et quand ne pas le faire. Mais il paraît beau. Alors pourquoi je ne lui avais pas parlé en retour? De toutes les façons, il a dit qu'il est de ce village. Je prie que je le rencontre encore. Ah. Oh, salut. Pardon, salut. Tu es de ce village? Oui, bien sûr. Peux-tu gentiment m'aider? Ma voiture est tombée en panne et je cherche un mécanicien. Tout près ici, je ne sais pas. Tu connais l'un qui est proche d'ici? Mécanicien, oui. Il y a un mécanicien là quelque part. Il n'est pas vraiment loin d'ici. Non, loin d'ici? Oui. Oh, merci. J'espère bien que ça ne demande pas beaucoup. Peux-tu m'amener là-bas? Parce que j'ai besoin réellement de réparer la voiture si possible. Pardon. Ok, pas de problème. Merci beaucoup, c'est gentil de ta part. Laisse-moi fermer les capots. Merci. Oui, c'est quoi ton nom? Mon nom c'est Kamso. Kamso. C'est l'abréviation de... Chikamso. Chikamso. C'est un nom merveilleux. Merci de m'avoir aidé. Je vous en prie. Allons-y. Ok. Tu es vraiment drôle. De toutes les façons, tu as vraiment rendu ma journée douce. Non. C'est moi qui devrais plutôt dire ça. Tu es vraiment la seule que l'on peut rester avec. maintenant là, j'ai vraiment peur de te laisser. Tu es en train de dire que je vais te manquer. Je veux dire, tu vois me manquer. J'aimerais bien te voir encore. Est-ce que tu peux venir encore? Où ça? Chez moi à la maison, toujours dans ce village. Comment? C'est juste la première rencontre. Je sais, ok, je te comprends. Je veux dire, prends ton temps. Peu importe quel moment, nous allons toujours nous voir. Tu vois pourquoi je dis que tu es un bon homme, hein? Dans ce cas, je te verrai demain. Ne me trompe pas, ok? Non, ça ne tombe pas de blagues. Oh, ça ferait de moi un homme sérieux. En tout cas, je te l'ai dit. Honnêtement, ça me ferait un homme heureux. Laisse-moi partir. Ok, je te laisse partir avant qu'il soit tard. Ok, on se revoit demain. Prends soin de toi. C'est bon, merci beaucoup. Ok, au revoir. Tu m'as comblé des grâces qui débordent. Kamso.
Tu as ôté ma honte. Tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Mon ami, tu es mon ami. Tu es mon ami. Mon ami, tu es mon ami. Mon ami, mais qu'est-ce qu'il y a? Devine quoi? Tu sais que je ne suis pas forte en devinette. Dis-moi seulement. D'accord, j'ai rencontré une personne. Mais tu rencontres déjà des personnes chaque jour, alors quel est le problème? Je sais, mais j'ai rencontré une personne spéciale. Un homme très spécial. Oh! Tu es vraiment sérieuse? Didi, donne-moi quelques détails. Vite! Ok. C'est bon. Il est tellement beau. Oh, très gentil. Et tout de bon que tu peux imaginer. Ah bon? Je me sens un peu d'une façon depuis que je l'ai rencontré. Comme ça. C'est comme si nous avons vraiment les mêmes cas. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai aussi rencontré quelqu'un. Oui, c'est la nouvelle que je suis venue partager avec toi. Vraiment, tu es sérieuse? Oui. Et aussi, il apparaît très différent. Comme j'aime vraiment. Je dirais si tu es satisfaite. Mais quoi? Je ne lui ai pas accordé le temps. Je ne connais rien de lui. Ah bon? Alors, comment tu... Telle est la confusion. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive dans mes pensées. Je dirais, je ne cesse de le rêver dans mes rêves, je te dis. Maintenant, ça ne peut pas changer. Oui. Maintenant, que penses-tu faire avec lui? Je ne sais pas. Je désire le rencontrer encore et lui dire comment est-ce que je me ressens. Oui, tu as vraiment raison. Et t'inquiète, tu vas les rencontrer encore. T'es sûre? Oui. Pourquoi pas? Je parle d'abord de moi. Je suis impatiente de lui voir encore. J'aime vraiment ça. Je sais. Alors, qu'est-ce que tu me promets? Comme ça. Mon amoureuse des sœurs. Comme ça. Où est-ce que tu pars le matin comme ça et tu paries belle? Et cette robe te va vraiment. Je pars le voir. Il m'avait invité aujourd'hui. Vraiment? Oui. Oh, c'est tellement bien. Alors, pourquoi tu ne viens pas avec moi? Je veux que tu le vois et que tu me dises ce que tu penses de lui, s'il te plaît, non? Oh, Kamso. J'avais déjà apprécié. Sérieusement. Mais ma maman m'a envoyé. Je suis désolée. T'inquiète, la prochaine fois, nous irons ensemble. Hein? Oh, ça ne prendra pas le temps. Je veux juste que tu le vois et que tu dises quelque chose. Tu sais, tu es la seule personne qui peut dire un mot. Je suis sûre. Ok, d'accord, je vais partir avec. Est-ce que tu oui, c'est ce que je vais. Ok, allons-y, donne-moi le temps, allons-y. D'accord, alors. J'ai tellement aimé. Hey. Marche mais je vite. Suis là avec toi, oui. Ok, nous sommes là. Oh, donc c'est ici? Oui, c'est ici. Allons-y. Waouh, mon amour. Tu es là? Oui, je suis là. Waouh, bienvenue. Merci. Je ne crois pas que c'est toi. Bien sûr, je t'avais dit que je serais là. Oui, tu me l'avais dit. Je peux voir que tu es venue avec une amie ou une sœur.
C'est ma meilleure amie. Elle est plus sincère pour moi, je te dis. Ok. Son nom, c'est Chika. Chika, je te présente la personne. Chika, ne t'inquiète pas de ma mère, je l'ai vu là-bas. C'est un plaisir de te connaître. Également avec moi. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ton visage, mais paraît familier. Ah, oui. Non, je dirais, je ne pense pas. Ok. Ok, c'est bien. Pardon, venez entrer, ok? Tu n'as pas encore fini. Laisse-moi, je vais t'aider. Non. Écoute, je peux le faire un moment à un autre, ok? Pour le moment, entrons d'abord. Chérie, vous êtes venue me voir. Oui, viens là. Entrons d'abord. Maman m'avait envoyé quelque part. Waouh, bienvenue. Ok, entrez s'il vous plaît. Oh mon Dieu, il est juste l'homme de mes rêves. Il a vraiment tout ce que j'aime dans un homme. Je n'ai pas vu la façon dont il m'a vraiment réussi. La façon dont il m'a vraiment embrassé. La façon dont il m'a vraiment touché. Oh, il m'a touché. Alors, Chika, hein? Tu ne m'écoutes pas? Ah, oui, j'ai écouté. Alors, que penses-tu? Kamso, je vais être franche avec toi. Tu sais que je me suis beaucoup pour toi. Et je ne serai pas heureuse que quelque chose de mal t'arrive. Ok, je suis ta sœur et je ne peux pas te décevoir. Et encore, c'était pour ça que tu m'avais demandé de t'accompagner, je crois. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose de vraiment suspect avec cet homme. Je ne sais pas, mais je refuse vraiment de me mêler dans ça. Mais mon sixième sens me dit qu'il est vraiment suspect, cet homme. Quelque chose comme quoi? Comme ça, c'est pourquoi j'ai dit je ne sais pas exactement. Mais avec le temps, je crois que tu vas vraiment le découvrir toi-même. Je dirais que je ne pressens pas quelque chose de mal avec lui. Et comme je t'avais dit déjà auparavant que je suis vraiment amoureuse de lui. Et tu connais comment est-ce que ces choses marchent. Oui, je sais, mais je parle de ce que je pressens. Mais tu vois, tu veux que quelque chose de mal t'arrive. Tu dois vraiment être prudente. Je ne dis pas que tu dois rompre avec lui. Oh. Non, mais tu dois juste être prudente, c'est ça. Tu dois vraiment penser à ça. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Tu es fâchée contre qui? Chika, pourquoi tu es assise comme ça? C'est quoi le problème? Hein? Tu n'es pas partie dans ta maison délicieuse. Hein? Hein? Elle t'a interdit de partir. Écoute-moi, je vais te dire. Je veux que tu ailles laver toutes ces assiettes-là et tout le récipient. Et d'ailleurs, puisse de l'eau. Beaucoup d'eau que je peux utiliser pour préparer. Moi, je pars au marché. Tu es là en me regardant. Que je rentre ces mains et que je trouve rien n'est fait. Tu verras. Tu me verras. Il a tout ce que je désire dans un homme.
Je suis impatiente de devenir reine pour toujours. Oh, c'est tellement bien ça. Il est gentil. Je suis très heureuse de l'avoir. L'homme de mes rêves. Je me communique vraiment la joie. Quand je pense à toi, je suis très joyeuse. Je l'aime beaucoup, vraiment. Hey! Je n'ai jamais aimé une personne de la sorte dans ma vie. Oh! Merci beaucoup d'être venu dans ma vie. Je t'aime beaucoup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ma fille. Comment ça va? Je suis bien, monsieur. S'il vous plaît, je suis venu voir votre fils. Il est là. Tu es venu chercher mon fils Nonso? Oui, monsieur. Nonso n'est pas là. Il était sorti. Oh. Ok. Je rentre chez moi alors. Alors, je lui dirai qui était venu le chercher. Ne vous inquiétez pas, papa. Je vais rentrer d'un moment à l'autre. Ah, ok. Oui, monsieur. C'est bien. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye. Ok. Je ne la connais pas. Elle peut être qui? Ok. Chica. Oui, monsieur, j'aime la façon dont vous appelez mon nom. Tu es vraiment amusante. Je vais justement à la maison. Oh, oui, y a quelque chose de sérieux que je vais partager avec vous, s'il vous plaît. Oh, c'est vrai? Oui. Maintenant là? Oui, maintenant même. Ok, je t'écoute. Je... Désolé, je mal fais, je descends. C'est bon. Oui. Ok, c'est bien. Tu peux maintenant continuer. Ok. Oui, monsieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez un jour comme ça que vous m'avez stoppé en route. Je ne sais pas. Je m'étais habillée d'une robe comme ça et j'avais touché un sac comme ça. C'était vers la route de Monati? C'était oui. Vers l'entrée? Oui, exactement. Oh, c'était toi? C'était moi. Je le savais. Je le savais, je vais dire ton visage m'est familier. Waouh, c'était toi? Oui. Oh, je m'en mal fait. Alors, je suis tellement désolée de ne vous avoir pas répondu ces jours-là. Non, ne t'inquiète pas. Je veux dire, je suis un gars. C'est comme ça généralement avec les filles. Je veux dire, naturellement, elles peuvent te rejeter, soit te répondre bien. Alors, c'est moi qui ai mal fait, pardon. C'est dans le passé. Oh, non, ce n'est pas dans le passé. Non, je ne le compte pas, c'est dans le passé, t'inquiète. Non, vous ne comprenez pas. Je veux que tu me comprennes bien, en tout cas, sois vraiment attentif. Ce que tu allais me dire, dis-le maintenant, non, dis-moi. Tu es vraiment amusante. Je veux dire, vraiment, ce n'est pas vrai. Non, c'est quelque chose. Tu sais, dis-moi le problème maintenant. Je vais te répondre. Je vais les répondre. Je veux que tu me demandes que je sois ta petite amie et je vais accepter.
Je sais bien qui es, tu es l'ami de Kamso. Alors, mon nom je... c'est Chika. Hein, commençons par là. Hein, commençons. Tu sais, depuis qu'on s'était rencontrés, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je dois passer toute une nuit sans toutefois te rêver, je te dis. Je ne sais pas, tu occupes toutes mes pensées, toute ma tête. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je veux juste que tu me proposes et que tu me dises que... Ok, Chika, oui. Calme-toi. Non, tu ne comprends pas. Je ne peux non, pas. Calme-toi, tu blagues, n'est-ce pas? Non, je suis mais sérieuse. Mais Kamso, c'est ton ami. Je suis Chika. Je veux que tu me dises. Un instant. Attends, Chika, je vais dire. Oui, Chika. Kamso, c'est ta meilleure amie. Je suis Chika. Tu sais, tu m'avais rencontrée en premier. Tu le sais tellement bien. Je veux que nous partions chez ton père et que tu demandes ma mère en mariage. Tu dis seulement, Chika, j'ai besoin de toi. Et si tu me dis ça, je vais dire seulement oui. Je veux que tu le fasses, non, s'il te plaît. Allons-y, non. Allons-y, je t'attends, non. Allons-y. Oh Seigneur, aide-moi ta fille. Kamso. Chika. Tu oui, es là. Apparemment, tu veux sortir, je crois. Oui, je me déplace pour aller voir mon amour. Vraiment? Il t'a invité? Pas vraiment. J'ai juste besoin de lui. Et je peux le voir à tout moment où je vais. Je vois. Tu vas bien? Y a-t-il un problème? Oh, pas vraiment. Je suis venue discuter avec toi sur quelque chose qui est vraiment important. C'est à propos de nous. Oh, vraiment? Oui. Dans ces cas, prenons place. Tu sais, quand il s'agit de nous, je ne blague pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Kamso, tu es ma meilleure amie. En bref, la sœur que je maintenant, parce que nous avons décidé d'être une. C'est ce qui est essentiel pour nous. Tu sais mieux combien tu comptes pour moi. Et je te mets devant toute chose, avant... certes, ça c'est vrai. Je sais, qu'est-ce que je peux faire sans toi? Je me pose toujours des questions tous les jours. Chika, tu es vraiment un ange pour moi. Et au-delà de tout, je ne t'ai jamais demandé un salaire pour ça, non. En tout cas, même pas un petit. Oui, c'est tellement bien et je t'apprécie beaucoup pour ça. Je mérite de te poser une question. Veux-tu vraiment me voir malheureuse? Jamais. Je ferai tout pour te rendre joyeuse. Dis-moi juste la chose. Ok, dis-moi, il y a vraiment quelque chose que tu ne peux pas faire pour moi? Dis-moi la vérité. Ah, Chika, je ferai tout pour toi, je ferai tout. J'ai juste dit ça, dis-moi. J'ai une confession à faire. Et aussi te demander quelque chose, s'il te plaît. Je veux dire, j'aime ton nom. Je ne comprends pas de quel homme parles-tu? Le seul homme que tu connais. Ah, tu arrêtes ce que tu fais là. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi tous les jours? Arrête avec tes aventures là. Arrête avec ça. Arrête, s'il te plaît. Je ne suis pas en train de blaguer comme ça. Je suis sérieuse comme je suis là. C'est l'homme que je t'avais dit.
que je suis amoureuse. S'il te plaît, ma sœur, laisse-le pour moi. Je suis juste en train de te demander pour la première et la dernière fois. S'il te plaît. Chica, tu n'es pas en train de blaguer? Attends, un instant. Tu es vraiment sérieuse? Je suis sérieuse. Je l'aime. Comment ça? Comment, dis-moi, comment tu peux tomber amoureuse de mon homme? Comment, Chica? Comment, dis-moi, comment tu veux me demander quelque chose d'impossible? Comment? Laisse-moi t'éclairer quelque chose. Je suis en relation avec cet homme. Et laisse-moi te dire que rien ne peut nous séparer, rien, même pas toi. Non, s'il te plaît. Laisse-moi, ne me parle pas de ça, laisse-moi. S'il te plaît, c'est moi ton ami. Je l'aime. Si tu fais ça pour moi, c'est moi. Oui, c'est moi. Chica. Oui, c'est toujours moi qui t'a aidé. Je t'ai beaucoup aidé. S'il te plaît, je t'en supplie. Souviens-toi, je t'ai beaucoup aidé. Arrête ça. Quelle aide me parles-tu? Chica, tu es très méchante et très orgueilleuse. Comment oses-tu? Comment tu peux me demander quelque chose qui est vraiment, vraiment impossible? Comment tu peux? Chica! Non, tu es même à l'aise en me disant, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Donc, selon toi, tu veux prendre la seule personne. Donc, tu veux prendre la seule personne qui me rend joyeuse. Je l'aime aussi, je me suis pour lui. Tu t'es saucé pour qui? Je l'aime aussi. Tu t'es saucé pour qui? Maintenant, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Premièrement, ce que tu me demandes, c'est vraiment impossible. Et deuxièmement, tout ce que tu es en train de planifier, cela n'arrivera jamais. Et troisièmement, comme je viens de le dire, je suis en relation avec lui et rien dans ce monde. Et rien ne peut nous séparer, même si mon défunt père ressuscité, il ne peut jamais nous séparer. Et cette conversation prend fin maintenant et aujourd'hui même. Tu m'as bien compris? Je pars voir mon amour. Excuse-moi. Comme ça, s'il te plaît, fais-le juste pour moi. Je t'en supplie, s'il te plaît. Papa, bon après-midi. Bon après-midi, ma fille. Comment ça va? Je suis bien, papa, et vous? Je vais aussi bien. Ok, papa, Nonso est là. Tu es venu voir mon fils Nonso? Oui, papa. Nonso est là, il doit être à l'intérieur. Papa? Oh, bébé, tu es là? Comment ça va? Je vais bien. Bienvenue. Merci. Je vais discuter avec toi sur quelque chose. Si tel est le cas, éloignons-nous. Pouvons-nous sortir là-bas car c'est quelque chose de confidentiel. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je veux te demander quelque chose. Je veux que tu me répondes sincèrement. Et cela signifie beaucoup pour moi.
Ok. Tu m'aimes vraiment? Ah, ah. Bébé, bien sûr, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Es-tu sûr? Vraiment, bien sûr. Pourquoi toutes ces questions? Dis-moi la vérité. Ne me cache rien. Je m'aime vraiment. Dis-moi la vérité. C'est juste toi et il n'y a pas une autre. Qu'est-ce qu'il y a? Es-tu sûr? Tu es en train de douter de moi? Rappelle-toi qu'il y a beaucoup de filles ici, en ville. Mais je t'ai choisi. Je t'ai choisi parce que tu m'as rendu heureux. Tu es belle à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est juste toi. Je sais. Vas-tu vraiment me rendre heureuse? Car j'essayais un peu de te perdre. Sinon, dis-moi la vérité. Bébé, il n'y a rien qui peut te faire peur. Je suis là pour le bien. Je suis là pour toi. Tu m'as rendu heureux. Très heureux. Tu es la fille de mes rêves. Et je ne veux pas jamais que tu aies eu peur. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas de bonne humeur. Viens. Pardon, n'aie pas peur. Ok. Tu m'as effrayé. D'accord, je dois partir maintenant. J'ai quelque chose à faire à la maison, s'il vous plaît. Tu vas me manquer. Laisse-moi aller t'accompagner, mais je ne dois pas arriver loin parce que j'ai quelque chose à faire là-bas. Je suis désolé. Ok, ça ne dérange pas. Ok, ne t'inquiète pas à propos. Ok. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je ne peux pas être la perdante. Jamais. Je sais ce que je dois faire. Exactement, je sais ce que je dois faire. Gamso, je ne peux croire à ça. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'elle ne peut pas faire ça. Ah non, je ne peux pas échouer. Après beaucoup de choses que j'ai faites pour cette fille, juste ça, une petite chose que je lui ai demandé et elle a refusé. Elle a refusé. Ah. Elle est vraiment méchante. Ah. Ah. Hmm. Ah. Il y a du trouble au paradis. Il y a la guerre entre
le vendeur de noix de palme et le vin de canne à sucre. Mais, attends, je vais te dire, peu importe ce qui est, ce n'est que le commencement. C'est le résultat de personnes qui n'écoutent pas. Et c'est comme ça que ça doit être conseillé. Les conséquences corrigent que les conseils. Nonso, papa, viens un peu. Mais voici papa. J'aimerais te dire quelque chose. C'est concernant toutes ces filles qui viennent te chercher ici. Est-ce que tu penses que c'est normal? Ah, papa, elles sont cadeaux qui viennent me chercher d'habitude ici. Vous savez pratiquement que ça, c'est la raison principale qui m'a fait rentrer ici au village pour proprement choisir une femme de moi-même. Je ne veux pas commettre d'erreur d'aller faire un choix d'une fille de la ville dont je ne connais pas son caractère. Et tu es d'accord avec moi que dans ce village, je trouverai quelqu'une que je souhaiterais prendre comme une femme. En faisant cela, papa, il y a aussi une fausse rumeur. Elles sont juste cadeaux. Je sais que tu as raison, mais tu dois vraiment être prudent. Ces jeunes filles ne manqueront pas de problèmes, et spécialement, cela concerne le beau garçon et les jeunes hommes qui se débrouillent mieux, comme toi. Il y a un lien de pression et l'amour. Hein? C'est bien, papa. J'ai écouté ce que tu as dit. Je vais l'appliquer. Je peux continuer avec ce que je faisais de l'autre côté. Ok. Tu peux aller continuer à faire ce que tu faisais. Merci. Ok. Nonson. Salut. Salut, Chika, comment ça va? Je vais bien. Wow. Passe comme ça. Ok. Hey. Chika. Oui, je t'avais tant entendu hier en route, mais malheureusement, je pensais que j'allais te voir, mais tu n'étais pas là. Tu m'attendais? Oui, okay. J'ai décidé de venir te voir à la maison. Je t'ai apporté quelque chose, je t'ai apporté. Toi? Oui. Ah, ah. D'autres sont restés à l'intérieur. Chika, toi? Oui. Ça, c'est bien. Et je l'ai apprécié. Tu es sérieux? Oh, oui. Je suis tellement heureuse que tu l'apprécies.
Vraiment, je les reçois de tout cœur. Oui, je les reçois. Merci beaucoup. Je t'en prie. Cela veut juste prouver combien je me soucie pour toi. Je t'aime beaucoup. Chica, je... Oui. J'apprécie ces cadeaux. Mais il faudrait y aller lentement, pas si vite. Écoute, non, je vais dire... Kamso, pour toi, est une meilleure amie. Je veux dire, elle t'appelle d'ailleurs sœur. Oui, je le sais, mais pas nécessairement. Elles m'ont décidé. Quand je lui ai parlé à propos de toi et combien je t'aime, elle a jalousé. Quand je lui ai dit combien tu m'avais suivi ces jours-là, comme ça, à cause de sa jalousie, elle est passée derrière mon dos et venue en premier pour te séduire. Elle m'a déçu après beaucoup de choses que j'ai fait pour elle. Tu me rends confus. Oui, parce que toutes deux, je vous considère sœurs. Mais peu importe le cas, je pense vous devez régler la situation en tant que sœur. Elle n'est pas ma sœur, elle ne l'est pas. Je te dis la vérité. Je pris soin de cette fille quand tout le village l'accusait d'une sorcière et qu'elle a tué tous ses parents. Je ne les ai pas suivis. J'ai pris soin d'elle pendant plusieurs années. Tous les habits qu'elle possède, c'est moi qui lui ai donné, c'est moi. En quoi je suis mauvaise? Que puis-je faire? Juste une chose que je lui ai demandé, elle a refusé. La seule personne qui compte beaucoup pour moi, elle a pris. Chica, je comprends comment tu te sens. J'ai écouté tout ce que tu as dit, mais je vous demanderai pardon à vous deux. Réglez cette situation amicalement. Avec ta sœur, je vous connais, mais en tant que sœur, que amie, essaye et montre que tu es la grande sœur. Pardon. Ne permettez pas qu'un homme vienne vous séparer de votre relation. En tant que sœur, s'il te plaît, fais la paix avec elle. Pardon. Maintenant, je vais m'en aller. Merci beaucoup pour les cadeaux. Ok? Où est cette sorcière de voleuse de mari? Sors ici, je vais te voir. Comment oses-tu? Comment tu peux venir chez moi et commencer à dire de n'importe quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Un déshonneur, tu l'es vraiment. Et maintenant que tu as fini de faire, tu n'es pas seulement un déshonneur, mais tu es aussi méchante. Je suis venue pour t'avertir. Nanso est à moi et à moi seul. Sois bien loin de lui, sinon... Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es si désespérée? Est-ce que tu devais partir chez Nanso pour lui dire toutes ces bêtises que tu as dit? Que tu étais celle qui me nourrissait et toutes ces bêtises? Oh, je vois! Donc c'est saleté des habits que tu m'avais apporté pour me montrer ton amour ironique. Hein? Ça ne venait même pas de ton cœur. Ou as-tu vraiment un cœur? Tu es si déshonorant. Laisse-moi t'avertir pour la dernière fois. Nanso, c'est mon futur mari. Alors, garde ce que tu connais là pour toi seul. Et sois loin de lui. Sinon, tu n'aimeras pas ce que je vais faire. Comme ça, ne me fais pas ça, ne me fais pas. Quel est celui que tu appelles ton mari? Nanso? Oui. Maintenant, je peux voir combien tu es méchante, combien tu es méchante. Maintenant, va que je jette l'eau sur toi. Prends ton sale corps, mets ton sale corps là, en dehors de ma maison. Maintenant, parce que je t'avais donné cette robe, tu ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive ici. Hein, maman? Tu ne peux pas la laisser tranquille dans ma propre maison. Oh. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein?
Regarde là-haut. Je ne t'avais pas dit de ne pas te promener avec cette sorcière. Maman, regarde. Qui avait tué ses parents. Hein? Veux-tu sortir de cette parcelle avant que je ne commette un meurtre? Oh, ferme-la. Tu vas commettre quel meurtre? Qu'est-ce que tu veux me faire? Moi? Tu vas rien me faire. Tu ne vas rien, mon Dieu. Cette femme, moi? Attends, je vais te dire. Moi? Hein? Avertis ta fille, oh. Avertis-la d'être loin de nous, sinon... C'est comme ça que tu me prends dans ma maison. Toi, tu vas revenir ici. Je veux tuer quelqu'un. Je vais tuer. Je vais te tuer. Toi, tu blagues avec moi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, tu m'injuries chez moi. Toi, là, attends, tu verras. Oui. Hey, attends. Bien sûr. On va finir avec toi aujourd'hui. Fais ce que tu veux. On va finir avec toi. Fais ce que tu veux. Aujourd'hui, tu verras. Viens. Pourquoi tu fuis? Viens. N'importe quoi, viens. Toi, cette fille, viens. Viens ici. Maman, tu m'as appelé. Assieds-toi. Qu'est-ce qui est arrivé ce matin? J'ai entendu son mari, Elle est mariée. Hein? Quoi? Comme ça. Hé, qui peut épouser ce truc? Maman, ce n'est pas son mari. Ce n'est pas son mari du tout. Ce n'est pas son mari. Tu ne sais plus reconnaître une femme mariée? J'étais confuse lorsqu'elle disait son mari, Oh, oui, oui. Ok, maman, laisse-moi vous expliquer un peu. Ok. Je suis en relation avec Nonzo, le fils de Mazedjike, celui qui provenait de la ville. Et je suis étonnée qu'elle tombe aussi amoureuse de cet homme. Hein? Imaginez, celui qui provient de la ville. Oui, maman. Tu vois, cette grande sorcière ne peut jamais hériter ce que tu veux. Jamais, je te dis, oui. Parce qu'elle est une sorcière et elle peut même te tuer pour hériter ce que tu veux. Tu vois ça? Je t'avais interdit cette fille, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Tu vois maintenant ce qui est arrivé. Hein? Maintenant, qu'allons-nous faire pour ça? Maman, je suis tellement choquée. Je ne peux croire que tout ce que j'ai fait pour Kamso, elle pouvait se retourner contre moi, dans ma maison. Et insulter ta maman. Et insulter ma maman chérie. Dans ma propre maison. Bonne. Tu vois, elle t'a déçu maintenant, Chica. Thank you.
Comme ça, s'il te plaît, arrête-toi, je vais parler avec toi, non? Tu es comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Chika? Qu'est-ce que tu veux? S'il te plaît, donne-moi juste ton attention. Hein? Lorsque quelqu'un prononce ton nom, ça commence par le mien. Chikamso. Cela ne te dit pas quelque chose? Hein? Tu me manques tellement. S'il te plaît, tenons-nous main dans la main. Je suis fatiguée. Chiko Dinaka, c'est toi qui dis tout ça? Hey. Chikamso. J'ai beaucoup pensé. Nous nous battons d'ailleurs pourquoi? Pour un homme? Yeah! Est-il spécial? Hein? Quand cet homme est venu chez nous, il nous a trouvé, nous étions des sœurs. Il est venu entre nous et maintenant nous n'avons plus la paix. Tu ne penses pas à propos de ça? Pense d'abord à propos de ça. C'est pas normal. Notre amitié me manque. Elle me manque tellement. Je suis fatiguée. Chiko Dinaka, c'est toi qui es en train de dire tout ça? Ah, oui. Tu n'es pas venue juste pour me flatter et puis... Non. Comment tu peux dire ça? J'ai décidé de te les laisser. Oui. Parce que, comme d'habitude, je veux que tu sois heureuse. Je veux que je sois heureuse comme ça. Es-tu réellement sérieuse ou tu te fous juste de ma gueule? Hey, tu ne me connais plus. Je suis sérieuse à propos de ça. Hein? S'il te plaît. Ton bonheur est mon bonheur. Tu meurs, je vais mourir, rappelle-toi. Je suis désolée. Je suis aussi désolée. Viens là. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Mais je ne suis pas toujours d'accord avec toi. Comme si tu as insulté ma maman. C'est vrai ça? Tu ne pouvais pas. Je suis désolée. Je sais que je ne devais pas faire ça. C'est bon. Je ne suis pas la première personne à recevoir tes excuses. Elle est à la maison? Oui, elle est là. On y va à la maison, comme ça je veux m'excuser auprès d'elle. Vraiment? Allons-y. Oui, allons-y. Maman, s'il te plaît. Pardonne-lui, elle a déjà présenté ses excuses. Regarde-la aux yeux, s'il te plaît. Je peux comprendre son souci. Elle est désolée. Tu es désolée? Oui, maman. Elle est désolée. Je suis désolée. Pardonne-moi. Ça ne va plus se répéter. Hé, hey, maman, non, maman. S'il vous plaît, pardonnez-la. Je vais juste te pardonner grâce à Dieu. Parce que je pars à l'église. Et parce que je suis une chrétienne. En bref, c'est qui m'avait énervé, c'est ce qui me met vraiment en colère parce que tu m'avais insulté. Hein? Tu m'as vraiment insulté. Et ensemble avec ma fille, tu nous as insulté. Hein? Ok, je t'ai pardonné. Merci Jésus. Oh. Grâce merci à Dieu. Merci Jésus. Allez, lève-toi. Oh, lève-toi, oh mon là. Dieu. Oh. Merci beaucoup. Merci, maman. Assieds-toi. Toi, je crois que tu as faim. Ah,
Maman, j'ai pas faim. J'ai préparé une délicieuse sauce. Je sais que tu vas l'aimer. Laisse-moi non, maman, prendre ça pour toi. Non, maman, j'ai pas faim. J'ai déjà mangé. Mange juste un peu. Ne me dis pas que tu veux refuser la sauce de ma maman. Oh. Je vais déjà consommer la tienne. Ce qui reste, c'est pour toi. Je peux aller prendre t'inquiète, ça, maman. T'inquiète, discute avec ton ami. Moi-même, je vais la servir. T'inquiète, je vais la servir. Hey, maman veut te servir. Hey, elle t'a vraiment pardonné. Oh, c'est fini. Je suis vraiment contente. Maman? Hein? T'inquiète, ne t'inquiète pas. Je vais le faire. Maman, laisse-moi t'aider. J'ai dit que tu discutes avec ton ami. Elle a dit encore que je discute avec mon ami. De quoi parlons-nous? laisse-moi, pardon. Alors, dis-moi, où est-ce que je suis partie? Non, dis-moi, que je veux savoir. Non, ma sœur. Tu ne sais pas. Ce que tu veux connaître, là, je ne veux pas te dire. Je ne te dirai pas. Tu vas me dire. Je ne veux rien te dire. Laisse-moi. Ah, comme ça, tu m'as beaucoup manqué. Maman. Maman. Attends, je vais prendre pour toi de l'eau afin que tu laves le bain. Permets-moi, je vais goûter. Oh. Tu vas vraiment aimer ça. Je léchais mes doigts lorsque je mangeais la sérieuse. Mienne. Donc, tu as fini la viande et la sauce. Non, non. Je ne vais pas finir. Hey, hey. Maman, merci beaucoup. Merci. Tu l'as senti. Je t'avais dit. C'est sûr que tu n'as pas faim. Tu es en train de pleurer. Hein? Maman. Je pressens mal à propos de tout. Ah, ferme ta bouche là. Qu'est-ce que tu pressens mal? Hein? Si elle avait une telle opportunité, elle allait te tuer. Et maintenant qu'elle est partie, c'est bien. Hein? Écoute, laisse-moi te dire. Tu dois te protéger toi-même. Tu dois vraiment te garder. La vie est toujours ainsi. La vie a été ainsi. Hein? Mais, si les gens venaient te demander, s'ils viennent te demander, qui l'a tué? Ne dis pas que tu me connais, oh. Ou je connais quelque chose maman, du genre. Maman, comment est-ce que vous dites encore ça? Vous dites ça, maman. Comment vous pouvez faire ça, maman? Comment? Oui, parce maman, que je ne savais pas qu'elle allait mourir. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle allait mourir. Mais elle est morte. Mais elle est morte, maman, comme c'est morte, maman. Écoute, je t'interdis, oh. Je t'interdis. Ne dis à personne. Ne dis à personne que je connais quelque chose déjà parce que je veux vraiment nier ça. Je t'ai dit. Parce que je veux dire que je ne connais rien, oh. Maman! Et les gens vont me comprendre facilement. Ils vont me comprendre facilement. N'est-ce pas toi qui l'avais empoisonné? Ah! Ne cite pas mon nom, oh. Ne cite jamais mon nom. Moi, je pars au marché. Maman, pourquoi?
pourquoi tu as fait ça? Je pars au marché. Et c'est le mieux que tu restes calme. Reste là, maman. Qu'est-ce que se passe-t-il? Juste comme ça? Alors, Kamso est morte. Sa mort peut être causée par quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé réellement? Mon Dieu, je ne le crois pas. Fils, tu es ici. Fils, tu dois vraiment te concentrer. Dieu sait le meilleur. Mais les circonstances derrière la mort de cette fille, ça me paraît encore vraiment étrange. Je ne peux pas comprendre. Tu vois? Mais tu dois te concentrer. À mon humble avis, je pense que tu dois rentrer en ville et y rester pour l'instant. Rentrer en ville et rester là-bas, papa. Oui, oui. Papa, la raison pour laquelle je suis rentré dans ce village, y rester pendant tout ce temps, parce que je voudrais choisir une femme pour moi-même, celle qui sera la mère de mes enfants. Vu le problème qui m'est arrivé, comment je peux rentrer en ville et rester à l'aise? La fille laquelle j'étais prêt à épouser. Par où dois-je commencer? Toutes choses sont devenues juste traumatiques. Je ne peux pas. La raison pour laquelle je suis rentré ici, c'était pour me trouver la femme. Je dois rentrer encore en ville? Aller rester là-bas? Je comprends. Mais toutes choses sont déjà faites. Papa, ça me rend confus. Vraiment confus. Vraiment, ça me rend confus. Calme-toi, mon fils. Je ne sais pas quoi faire. Calme-toi. Sois fort, mon fils. Sois fort. Ça suffit. Sois fort, mon fils. Hey! Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Ils sont vraiment méchants. Oh, comme ça. Comme ça, mon unique ami. Pourquoi tu es morte et tu m'as laissé seule? Tu allais me permettre de te voir même pour la dernière fois avant que tu meurs. Et je ne savais pas que cela allait te tuer. Tu connaissais celui qui devrait le tuer? Hein? Tu veux dire qu'elle ne t'a rien dit? Lui dire quoi? Hey! Comme ça, pourquoi? Pourquoi? Mais dire quoi? Elle était grosse. Il y a Kamso? Longtemps. Oui. Je dirais. C'est tellement difficile pour dis-moi, moi. Dis-moi. Tu vois. Elle avait fait l'avortement. Et après cela, il y avait toujours des complications. Et moi aussi, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle allait mourir. Oh, comme ça. Elle. Oh mon Dieu. Pourquoi elle ne me l'avait pas dit? Je ne sais pas. Parce que je devrais l'amener à un bon hôpital en ville. J'allais faire quelque chose pour qu'elle ne puisse pas mourir. Tu allais faire ça? C'est l'unique chose que je pouvais faire. Hey, comme ça! Regarde ce que tu as perdu, regarde ce que tu as perdu. Maintenant. Je sais. Oui, je le sais bien. Qu'elle t'aimait beaucoup. Et elle pouvait tout faire pour toi. Je promets d'être toujours là pour toi. Je promets que ses rêves deviennent une réalité.
Oko, je serai toujours là pour toi. Je suis là pour te consoler. Oh, oh, je vais prendre soin de toi. Je vais prendre soin de toi. Comme ça. Bébé, il y a le petit déjeuner. Tu ne prends pas? Mon ange, ne t'en soucie pas. Je n'ai pas faim de prendre quelque chose ce matin. D'ailleurs, j'ai une très importante réunion à atteindre. Es-tu sûr? Oui. Je suis vraiment sûre. Je vais bien. J'ai quelque chose à te dire. Si tel est le cas, je vais rentrer avant. Ok? Ok. Prends soin de toi. Toi aussi. Papa sort pour aller te chercher de l'argent. Aussi et pour notre, bébé. Okay? Je m'en vais. Prends bien au soin retour, de toi. Ok? Tu as écouté ça? Papa est allé chercher l'argent. Je ne comprends pas cette histoire. Il y a maintenant plusieurs mois. Pourquoi il n'essaye même pas de m'appeler? J'ai envie d'écouter ma fille, hein? Dieu est ma lumière et mon sauveur. Et je n'aurai peur de rien. Dieu me protège devant toutes choses. Maman! Hé, hey, maman, je suis bien. Et toi? Oui, comme je venais de le dire, que tout va bien. Oui, oh, maman, nous sommes toujours en train d'attendre. Le docteur a dit que le bébé risque de naître cette semaine. Il va bien. Il est là-haut. C'est bon, maman. Tout ira bien. Ah, amen. Amen. Bébé. Bébé, réveille-toi. Oh, désolé, j'étais dans un profond sommeil. Je vois. Oui. J'ai besoin de causer avec toi. Ok. Bébé, nous devons voir les spécialistes. Cette grossesse te rend vraiment faible. Je comprends ton souci, bébé. Par moments, je pressens que le bébé est déjà prêt. J'aimerais que ça vienne de spécialistes. Ok. Nous pouvons nous rendre là demain. Nous devons. C'est le moment d'aller prendre bain. Pour aller dormir. Ok.
Oh. Ok. Hey, bébé, j'ai mal ici. J'ai très mal. Regarde d'abord. Bébé, ça va? Non, je ne suis pas bien. Oh. Je ne vais pas bien, bébé. Désolé. Je ne suis pas bien. J'ai tellement mal. Le ventre. J'ai mal. Désolé. Non, j'ai mal. Oh. Tu as vu ton docteur? Oui, je l'ai fait. Et... Désolé. Ok. Il a dit je dois être patiente. Il a dit que moi et les bébés, nous sommes dans un bon état. Mais je n'arrive pas à comprendre cette peine. Hey. Tu seras bien, ok? Comme c'est le docteur qui l'a dit, tout ira mieux. Ok? Désolé. Lève-toi un peu. Arrange-toi. Ah. Désolé. Assieds-toi, okay. Je te tire. Lentement. Assieds-toi. Ok. Désolé. Attends que je t'arrange. Oh, désolé. Ok? Désolé. Désolé. C'est fini. Je sais. Désolé, bébé. Désolé, bébé. Désolé, je souffle. Je continue à souffler. Je souffle. Ça suffit, bébé. C'est où encore? Oh, désolé, bébé. Oh, c'est quoi encore? Désolé, bébé. Non, désolé, chérie. Je suis désolé. Ça suffit, bébé. Ça suffit. Je souffre, bébé. Désolé. Calme-toi, c'est fini, bébé. C'est fini, désolé, ne pleure pas. C'est fini, bébé. Ne pleure pas. C'est fini, bébé. Ça suffit. Ne pleure pas. Désolé, bébé. Désolé. Quel genre de choses comme ça? Je ne l'ai jamais entendu. C'est juste 10 mois et 3 semaines. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh Dieu du ciel, aide-moi, pardon, aide-moi. Bébé, il est temps de chercher la présence de Dieu. Ok. Thank you.
Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant Amen. De Jésus-Christ, nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Papa, nous invoquons ton nom en ce moment. Nous venons vers toi, Père. Maintenant, là, nous invoquons ton esprit de feu. Qu'il vienne prendre le contrôle de cette situation. Honnêtement, Nanso, ceci n'est plus du tout amusant. Et qu'est-ce que le docteur dit à propos de tout ça? Mon frère, il avait dit il n'y a rien de mal avec ma femme et les bébés. Alors, pourquoi est-ce que le bébé ne sort pas jusqu'aujourd'hui? Pourquoi? Steve, je suis vraiment confus comme toi. Vraiment confus. Ma femme est en train de perdre déjà sa mémoire. Toute la situation me choque très mal. Très mal. Nanso. Si tu me demandais mon avis, je te dirais que ceci n'est plus ordinaire du tout. Oui. Ce n'est pas ordinaire. Je veux dire, comment veux-tu expliquer cela? Nanso, je pense que c'est un problème spirituel. Oui. Vraiment spirituel. Oui, parce que comment expliques-tu cela? Comment? Il y a un homme de Dieu comme ça, un très puissant alors. Oui, et je pense que nous devons le visiter. Steve, peu importe où je peux trouver la solution pour cette situation, je suis prêt à y aller. Ça ne dérange pas si on peut aller à cet endroit maintenant même, immédiatement. Mais en vrai, pas aujourd'hui. Ok? Pas aujourd'hui, nous irons demain. Oui, et qui sait? Peut-être qu'avant déjà demain, ta femme pourrait donner naissance. Amen, oh. Amen. Comme ça sort de ta bouche, nous disons Amen. Arrête de t'inquiéter. Je sais que tout ira mieux. Fais-moi confiance. Bébé, tu as commencé à manger sans toutefois prier. Je vais prier après. J'ai vraiment faim. Je sais. C'est bien. Merci. Réjouis-toi de ta nourriture. C'est bon. Bébé, mon ami Steve, j'étais avec lui. Ok. Il m'a parlé de quelque chose concernant un homme puissant de Dieu qu'il connaît, peut donner la solution à notre problème. Vraiment? Oui. Alors, qu'est-ce que nous attendons? On doit aller le voir demain. Tu es d'accord? Oui. Nous devons. Ok. C'est exactement ce que nous ferons. Ok. Okay. Mange. Je veux le faire. Tu veux que je te fasse manger? Oh, désolé. Oh mon Dieu. Désolé. Vraiment, j'ai tout. Fini. Je vais lever les assiettes. Non, ça suffit. Merci. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. 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 Tu vois,
notre Dieu est un Dieu de miracles. Il ramène à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Le Tout-Puissant de tout le monde. Les créateurs de tout l'univers. Laisse-moi te dire quoi, Monsieur Nanso. Les diables sont en train de marcher dans ta famille. Mais ne t'inquiète pas. Car par le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, aucun homme méchant ne pourra te faire faillir. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'excellence. Et cependant, la grossesse de ta femme doit être un succès au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Écoutez-moi. S'il y a un homme qui peut prier, c'est qu'il existe un Dieu qui peut répondre. Alléluia. Et la Bible dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et la porte vous sera ouverte. Maintenant, il est temps pour nous de frapper à la porte divine. Et comme l'Esprit les guide, nous tous, nous devons être en jeûne de 6h à 18h pendant 3 jours. Et nous serons aussi en prière. Nous allons demander à Dieu que sa main descende et qu'il manifeste sa gloire dans cette famille. Et après, ta femme sera délivrée comme la femme qui coula le sang. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Père très saint. Je prends de l'autorité par le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Amen. Que ton nom soit exalté. Amen. Frère Nanso, pasteur, si cela devient à l'esprit, dans tes pensées, une offrande qui pourra provoquer que le ciel s'ouvre, vas-y, fais-les. C'est très important. Je peux sentir quelque chose dans mon esprit. Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, voilà. Nous servons un Dieu des impossibles. Le Dieu qui rend toutes choses impossibles possibles. Et vous savez, le diable est un homme du désordre. C'est ce que nous dit la Bible dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10. Que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie dans l'abondance. Vous savez, quand les diables remarquent que l'enfant que vous portez est un enfant de témoignage, il va le contester. Oui. Mais vous savez, cet enfant va venir au monde pour devenir un très grand au nom de Jésus-Christ. Amen. Et même avant que je vienne ici, Dieu m'avait déjà révélé. Oui. Dieu m'avait dit que dans 3 jours comme ça, juste après ses prières, ce bébé va sortir. Amen. Alléluia. Et pourquoi ne pas vous lever pour que nous prions? Who is like unto thee? Oh Lord, who is like unto thee? Oh Lord, among the gods, who is like thee? Glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders, hallelujah. Père, au nom puissant de Jésus, Père, amen. Aujourd'hui nous te remercions parce que tu es Dieu. Père, nous te louons aujourd'hui parce que nous sommes rassemblés ici comme une famille de gens. Papa, nous sommes venus pour déjouer tout le plan de l'ennemi. Amen. Oh Seigneur, venant du nord, venant du sud, venant de l'est, venant du centre. Oh Seigneur, je brise tout ce qui empêche que cet enfant sorte. Père, je le brise au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, je viens aussi par le pouvoir qui a été investi en moi. Oh Seigneur, comme un serviteur de Dieu, je déclare que cet enfant sort de ce ventre au nom de Jésus. Que ce bébé sorte au nom de Jésus. Seigneur, je viens t'appeler en ce moment, Seigneur. Seigneur, je viens en ce moment t'appeler au milieu de nous. Que ta main puissante agisse pour nous délivrer. Laisse que cet enfant sorte de ce ventre. Amen. Que tout ce qui empêche que cet enfant sorte de ce ventre, au nom de Jésus. Père, je le commande. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Nous sommes au 5e jour et il n'y a toujours rien. Qu'est-ce qui ne va pas, s'il vous plaît? Mais c'est quel genre de question ça? Si je n'avais pas confiance en cet homme, je n'allais pas t'amener là-bas en premier. Ok, tu dois apprendre à être patient avec Dieu.
ça ne demande plus la patience. Pardon, ce n'est plus à propos de la patience. Je me trouve dans une situation plus grave déjà. Ceci ne concerne plus la patience pour moi. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? J'ai besoin des résultats. Mais non, ce n'est que le cinquième jour. Et il m'avait assuré qu'elle donnerait naissance avant même le troisième jour. Le troisième jour. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Où sommes-nous? Écoute, Nonso, je crois que tu dois apprendre à te calmer. Calme-toi. Dieu n'est pas un magicien. Et qu'est-ce que cela veut dire? Que cela veut dire? Sois calme, Dieu n'est pas un magicien. Que cela veut dire? Je t'avais prévenu, n'est-ce pas? Tu m'avais prévenu à propos de quoi exactement? Nonso, rappelle-toi quand tu m'avais dit que tu devais aller au village pour aller trouver une femme. Je t'avais averti de ne pas aller, mais tu avais refusé d'entendre. Tu ne voulais pas entendre, mais je crois que tu avais quand même trouvé une très belle fille là-bas au village. Écoute, tant que je te dise quelque chose, la plupart de femmes que tu vois là-bas au village, elles peuvent être mariées à quelqu'un ou à un autre, sans même savoir le jour où ça s'est passé. Et ce qui se passe après, c'est que peu importe l'homme qui vient épouser cette fille, il va continuer à vivre des désastres pendant le reste de sa vie. Je t'avais averti, et je crois fermement que c'est ce que tu traverses actuellement. Je peux voir que ta tête ne fonctionne pas bien. Oh, je peux voir, tu ne parviens plus à penser clairement. Je suis ici avec toi. Je suis en train de te dire comment je me perds. Vraiment, je perds ma femme. Je perds ma vie. Et tu es ici en train de parler de n'importe quoi que je ne peux pas gober. Écoute. Steve. Nonso. Nonso. Écoute, tu dois te calmer. Ok? Ça, c'est exactement le sixième jour que cet homme inutile qui s'appelle le même pasteur avait eu mais 1 million de naira au nom de la naissance de mon fils. Mais jusque-là, rien ne se fait. Rien. Mais je dois d'abord y penser. Pourquoi ma femme ne donne pas toujours naissance? Et le docteur avait dit qu'elle peut mourir avec le bébé au cas où elle n'est pas emportée par l'attention. Pardon, apporte-moi une bouteille d'eau. Merci. Excusez-moi, jeune homme. Puis-je te prendre une minute? Allez-y, y a-t-il un problème? Tu es troublé. Mon esprit me dit de te dire quelque chose à propos de ta femme. Excuse-moi. Tu connais ma femme? Qui es-tu? Tu n'as pas besoin de mon identité. De toute façon, mon nom c'est Ozo. Tu t'appelles Nonso, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me connais comment? Comment tu connais aussi ma femme? Je ne connais pas ta femme. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Si tu arrives à la maison, demande ta femme à propos de son passé. Cela affecte sa condition actuelle. C'est vrai? Un instant, fais-moi d'abord comprendre. Au cas où tu as besoin de moi, je suis toujours ici. Oui, bébé, tu m'as appelé. Oui. J'avais rencontré un étranger. Et il a dit,
tu as quelque chose à me dire. Moi, j'ai quelque chose à te dire. À propos de quoi? D'ailleurs, il m'a convaincu. Il a dit cela a à faire avec notre passé. Ta vie passée. Mon passé? Oui. Désolé. Qu'est-ce que je peux te dire à propos de mon passé, vraiment? Que tu ne connais pas. Bébé, je ne sais pas. Il parlait d'une manière très très convaincante. Il avait dit, cela affecte la condition présente. Cela affecte toute chose qui se passe maintenant. Ah, bébé, maintenant ça devient sérieux. Je ne sais pas si ça comporte quoi. Bébé, tu connais bien mon passé, non? Et qu'est-ce que je peux te dire qui est lié à ma grossesse? Attends, je crois que tu ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais vu quelque part. Il était venu particulièrement pour me dire ceci. Je ne sais pas, peut-être tu devrais penser à propos de quelque chose, t'en souvenir? Bon, je ne sais pas vraiment. Je ne crois pas avoir emprunté un chemin. Bon, je ne sais pas s'il parle de quoi. Désolé. Qu'est-ce que nous pouvons appeler ceci? Ça, c'est le 13e mois. Toujours rien ne se passe. Je n'ai jamais vu ou entendu cela durant toute ma vie. Nonso, es-tu sûr? N'as-tu pas fait d'erreur en épousant cette fille? Si pas, que signifie alors ceci? Bébé, pardon, désolé, oh, désolé, lentement, désolé, lentement, hein, ça lentement, pas. Désolé, bébé, désolé, ça hein, pas. Désolé, ça pas. désolé, non, bébé, non, j'ai non, dit, non, non, désolé, non, désolé, bébé, j'ai dit, désolé, je vais trouver la solution, oui. Désolé, non. Bébé, calme-toi, écoute-moi. Non, laisse te plaire, c'est fini, écoute, bébé, écoute. Calme-toi, bébé, ne pleure pas, calme-toi, c'est fini. Ça suffit, bébé, ça suffit, c'est fini, ne pleure pas, bébé, ne pleure pas. C'est quoi ça, maintenant, bébé, c'est quoi, maintenant, c'est quoi? C'est fini, ne pleure pas, c'est fini, bébé, c'est fini. Ça suffit, bébé, ne pleure pas, ça suffit, c'est fini. Bébé, ne pleure pas, c'est fini, laisse de pleurer. Oh, c'est quoi ça, maman? J'en ai marre. Attends. C'est fini, ne pleure plus, c'est fini. Non. Calme-toi. Hein, oui, calme-toi. Respire comme ça. Continue comme ça. Non. Ne mange pas. Oh, bébé. Ok, bébé, écoute, ça va se calmer, ok? Donne-moi juste une minute. Attends-moi, pardon. Ne pleure pas, c'est fini, bébé. Attends-moi, je viens, hein? Ça ira, ok? Ça ira, ne t'inquiète pas, ok? Je viens. Hein?
Pose-toi ici. Comme ça. Ok. De ce côté. Ok. Comme ça. Ok. Je viens. Je viens. Calme-toi. Calme-toi, je viens. Calme-toi. Je viens. Oh. Un instant. Un instant, je viens. Un instant. Bébé, ne pleure pas, je viens. Oh, pardon. J'ai vraiment besoin de ton aide. Pardon, j'ai besoin de ton aide. Ma femme. Quoi? J'ai besoin de ton aide. Oui, viens, allons-y. Pardon. Entre, pardon. Bébé, il est là, il est venu, ok? Ok, réveille-toi. Bébé. Ouzo, pardon, je t'en supplie, fais quelque chose, pardon. Je suis venu en paix. Je ne suis pas ici pour tuer. Que l'esprit de notre terre me soit témoin. Ta femme a quelque chose à te dire concernant la fille appelée Kamso. Kamso? Bébé? Qu'est-ce que tu as à me dire concernant Kamso? Qu'est-ce qu'il y a à propos de Kamso? Calme-toi, Nonso. Laisse-le parler. Bébé. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Ce n'était pas ma faute. Cette fille n'est pas normale. Comment, maman? Je ne comprends pas. Je vais te faire comprendre. Sa maman était venue dans ce village avec sa grossesse. Nduka l'avait acceptée parce qu'il n'avait pas un enfant et une femme. Et maman, c'est vraiment incroyable. Tu ne peux pas le croire. Sa maman était morte en lui donnant naissance. Tout le village allait la tuer. Mais cet homme Nduka avait refusé. Il avait refusé. C'est comme ça qu'elle était morte. Donc, elle est juste une étrangère. Maman, comme ça, c'est une bonne personne. Elle est juste mon amie et je comprends qu'elle est toujours comme un être humain. Ma fille, la vérité que tu connais est plus qu'un ange que tu n'as jamais vu. Je veux que tu la déçoives avant qu'elle fasse avec toi. Ah, maman, qu'est-ce que tu dis? Je ne peux pas la décevoir tout en la tuant, maman. Je ne peux pas, je refuse. Oh. Arrête ça, qui t'a demandé de la tuer? C'était ma maman.
mère amie. Ma maman m'a vraiment déçue. Elle m'a vraiment déçue. Elle m'avait dit de tuer comme ça pour me marier avec toi. C'est qu'elle m'avait dit. Ah, mon Dieu. Toi. Tika, tu connais quelque chose à propos de la mort de Kamso? Mon Dieu. Ta meilleure amie. Hein? Aïe! Mon Dieu. Non seulement ça, non so. Il y a aussi le pacte du sang. Pacte du sang? Au juste, tu parles de quoi? Qu'est-ce que se passe ici? Pacte du sang, comment? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Kamso et moi avons fait un pacte de sang. Oui, lorsque son père était mort. Comment tu peux faire un pacte du sang avec une fille comme toi? Comment, mon Dieu? Pourquoi? Les jours que vous avez fait le pacte, vous avez lié vos âmes. Et en le faisant, il n'y avait pas de témoins. Permettez que je m'explique. Tu vois, la plupart des jeunes qui s'engagent à faire ce pacte du sang, ils s'approchent de leurs amis avec comme objectif détruire le destin des uns des autres. Se sucer le sang, c'est presque manger la chair de l'un et l'autre. La Sainte Bible est contre cette pratique. Lévitique 27, 14. Chica, je suis désolé, tu ne peux pas être sauvée. Tu es coupable. Tu l'avais tué. Cependant, la même main qui l'avait tué est celle qui va aussi te tuer. Partout où tu iras, son sang est sur toi. Ça, ce sont les conséquences du pacte du sang auquel tu t'es engagé. Je suis désolé, Nonso. Nous l'avons perdu. Son esprit s'est séparé de son corps.